Alors, 107 ans, parce que j'ai voulu écrire un texte qui parle de l'exil, mais aussi qui parle de l'enfance. Et au fond, c'est aussi un roman qui emprunte au vocabulaire du merveilleux, du conte aussi. Donc, 107 ans, c'est une manière aussi de déplacer un peu l'accent et de réfléchir. Enfin, je voulais réfléchir à ce que c'était qu'un hors-temps, d'autant que c'est une petite fille qui parle. Donc, on est à la fois dans l'espace de l'enfance, du temps de l'enfance et puis dans l'espace du conte. C'est l'histoire d'un exil. Parce que ça se passe en fait pendant la guerre d'Algérie. Et donc je raconte l'histoire à la fois, le texte s'ouvre sur la rencontre de Madame Plume, qui est la mère de cette petite fille, qui rencontre l'homme avec lequel elle va faire cet enfant. Et puis, quelques jours après leurs noces, le père est exécuté, probablement par des soldats. L'histoire ne le dit pas, mais probablement par des soldats français. Voilà. Et donc, Nine naît quelques mois après et elle ne connaîtra jamais son père. Donc, c'est l'histoire d'une blessure, c'est l'histoire d'une absence, c'est l'histoire aussi d'un pays qu'elles vont finir par quitter, parce que la mère est française et le père est algérien. Donc, cette femme va devoir partir et quitter un peu cette terre où elle a grandi, où Nine est née. Nine, c'est la petite fille. Et puis, et c'est l'exil, et c'est le départ, qui est accompagné par notamment une figure qui est très maternelle et maternante, qui s'appelle Fatma, qu'on va retrouver tout au long du récit, et qui va être un peu la mémoire, la gardienne de la mémoire de cette histoire. Donc j'avais envie de travailler sur l'enfance, et puis j'avais envie de travailler sur les blessures d'enfants aussi. Donc, il y a des blessures tout au long de ce texte, des blessures qui se construisent parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit, qui devient une jeune fille, puis une jeune femme. Et c'est aussi comment on répare ces blessures, comment la vie aussi parfois vous donne la possibilité de restaurer des choses. Et j'ai travaillé beaucoup sur le lien aussi mère-enfant, c'est-à-dire mère-fille, qui est aussi un sujet qui me... Voilà, sur lequel j'aime travailler, écrire. Il y a beaucoup de textes évidemment sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, etc. Et puis je trouve qu'on manque d'un récit qui ne prenne pas position, justement, et qui raconte un peu ce que l'histoire ne dit pas, c'est-à-dire des petits destins comme ça qui jalonnent la grande histoire. Et je voulais aussi être un peu le porte-parole de ces gens-là. Donc ça m'intéressait de m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est de faire que la petite histoire rencontre la grande. Et comment l'écriture permet ça. Effectivement, il y a quelque chose d'universel un peu dans ce... Enfin, modestement universel, c'est-à-dire que... Au fond, ça raconte peut-être un peu l'histoire de chacun d'entre nous, parce qu'il y a des choses qu'on doit quitter, probablement, dans l'enfance, et puis des choses auxquelles on doit renoncer. Et puis, on se construit comme ça, on devient grand comme ça, en regardant un petit peu en arrière, et puis finalement, en réparant ce qu'on peut réparer, mais c'est pas grave si on répare pas tout, et puis il faut continuer la route. Donc c'est un peu ça, s'il y avait peut-être comme ça un petit message, mais c'est pas du tout un texte à message.